Mais aujourd'hui, le terme vous sied parfaitement. Il vous sied à merveille car je connais l'affection que vous portez à ce pays. Il vous sied formidablement car je connais votre détermination à vouloir contribuer à son émergence dans le domaine qui est le vôtre. Il vous sied admirablement car déjà, dès 2015, ensemble, nous avions déjà tenté une première expérience ici avec le PMU mobile. Celle-ci n'a pas été couronnée de succès, mais vous n'avez pas pour autant baissé les bras, bien au contraire. Par la suite, j'ai pu compter sur votre soutien indéfectible, ainsi que votre confiance, quand j'ai voulu mettre le pied à l'étrier. Et vous accueillir aujourd'hui, ici, aujourd'hui à Dakar, pour l'inauguration de votre siège africain est tout un symbole. Le symbole d'un tournant important, le symbole d'un virage stratégique. Et pour ma part, cette proximité va faciliter la collaboration entre nos différentes entités au Sénégal, mais également dans la sous-région. Donc encore une fois, bienvenue chez vous. Et merci. Merci pour ces belles années qui ont vu la confiance se muer en affection et en fraternité. Enfin, sachez que les plus belles années, nos plus belles années, sont celles qui sont devant nous. Je voudrais faire une confidence ce soir au DG de la LONAS, M. Ladjo. Ouais. DG, sachez que Cyril Casanova, qui est à côté de vous, nous imite à merveille. Cette installation répond au souhait de concrétiser notre empreinte sénégalaise et africaine. Partenaire technologique de premier plan des opérateurs de jeux régulés, Honoré Gaming est devenu en 10 ans un partenaire clé pour 22 opérateurs et partenaires en Afrique. Créé il y a bientôt 10 ans, et d'ailleurs vous serez bientôt invité pour les 10 ans que nous allons fêter ici prochainement au Sénégal encore, nous avons su développer une compétence particulière en Afrique grâce à la mobilisation de ressources fortes comme Awasissé. Cette présence sur le continent nous rapprochera encore davantage de nos partenaires africains et nous aidera à encore mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Notre objectif est ambitieux, il est de créer 300 emplois d'ici fin 2025. Il est prévu que l'ensemble des pôles communication, marketing, commerciaux et le support business et technique soient localisés au Sénégal. Nous comptons donner la chance à des centaines de jeunes Sénégalais pour venir nous rejoindre et apporter leur énergie à ce beau développement. Et comptons ainsi faire du Sénégal notre hub pour l'Afrique. Ce développement prometteur sera possible grâce à la brillante Awasissé, DG de Honoré Gaming Sénégal, qui a toute notre confiance et qui a déjà su prouver l'ampleur de son talent. Nous comptons continuer à puiser notre inspiration et notre énergie de cette double culture si enrichissante. Je souhaite remercier tout particulièrement M. Ladiop pour la confiance qu'il a su placer en Honoré Gaming. Sans son leadership, sans sa pugnacité et sa vision, nous n'en serions assurément pas là. Merci. Notre but est d'aider nos partenaires à atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est celui de mieux comprendre nos solutions. Voilà. Pour faciliter leur usage auprès des parieurs et auprès des vendeurs. La deuxième mission est de structurer et de mettre en place des plans d'action commerciaux qui permettront de booster l'activité et le chiffre d'affaires de nos partenaires. Enfin, nous sommes tout simplement là pour être près de vous et mieux comprendre vos besoins afin de toujours chercher à adapter nos solutions et à proposer des solutions plus adaptées à vos marchés. Je suis très fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'équipe Honoré Gaming Sénégal, qui est une équipe encore jeune et petite, mais qui va être amenée à grandir au fil du temps. Donc nous sommes ravis de la mission qui nous a été confiée et nous sommes tous prêts à relever le défi de vous accompagner au mieux. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous est offerte est heureuse et belle. Elle marque, comme vous le savez, l'inauguration de la filiale Honoré Gaming au Sénégal.
Elle résulte de la vision, de la volonté d'un groupe, mais aussi de l'engagement et de la parfaite collaboration qui lie l'ONAZ et Honor Gaming depuis quelques années. Cette tribune me permet donc de me réjouir de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. En effet, Honor Gaming est reconnu comme une entreprise de référence qui permet aujourd'hui à des sociétés telles que la LONAS de disposer de moyens techniques modernes favorables à une exploitation efficace, efficiente et sécurisée de leurs activités. La LONAS partage avec Honor Gaming des relations mutuellement bénéfiques reposant d'une part sur un partenariat avec Sportutot pour l'exploitation du site de jeux en ligne lonaz.be et du PMU, que ce soit en masse commune ou en masse séparée, via la mise à disposition d'un totalisateur et de terminaux de jeu. Et d'autre part, sur la mise en place d'un dispositif de centralisation destiné à apporter à la LONAS une visibilité et une lisibilité sur tous les flux financiers issus des jeux en ligne. À travers ces différents actes de collaboration, et ce lien d'envergure tissé à l'initiative de M. Momodou Abel Sy, que j'appelle affectueusement Abel, que je remercie au passage, Honor Gaming se positionne aujourd'hui comme un partenaire technique stratégique dans l'exploitation des jeux au Sénégal avec la LONAS. Elle participe d'une façon significative et constructive aux visions de réforme et d'émergence de l'entreprise par le biais d'appuis techniques organisationnel permettant à la LONAS d'améliorer son cadre global. Aujourd'hui, des acquis sont visibles et contribuent positivement à l'amélioration du niveau de performance de la LONAS. Mesdames, Messieurs, cette occasion solennelle me permet de réitérer ma gratitude et mes remerciements à l'ensemble de l'équipe de Honor Gaming. J'apprécie fortement les progrès qui ont été enregistrés depuis le début de la collaboration, notamment avec l'atteinte d'un objectif historique de 266 milliards pour la LONAS au courant de l'exercice 2022. Ça, nous avons pu réaliser cet objectif, je dois le dire très sincèrement, avec l'appui technique et les conseils de Honor Gaming. Et c'est le lieu de le dire. Cyril, Christophe, c'est l'occasion de vous en remercier et de vous en féliciter. Je félicite le conseil d'administration et la direction générale de Honor Gaming pour cette vision d'intégrer le marché africain à partir de Dakar. Cette cérémonie qui officialise la matérialisation de cette décision marque en réalité la continuation d'une solide coopération qui existe entre la France et le Sénégal depuis des décennies. Le choix est donc à saluer et peut s'inscrire en droite ligne avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour un Sénégal émergent et une politique économique de coopération internationale bénéfique pour tout un chacun. Se positionnant aujourd'hui comme un pays phare en matière d'opportunités d'affaires, le Sénégal offre de fortes garanties en termes de stabilité de capital humain et de ressources économiques. La filiale de Dakar devrait permettre à Honor Gaming de viser un élargissement en desservant à l'avenir la sous-région francophone, voire la sous-région anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais en terminant vous dire combien à la LONAS, nous sommes heureux de savoir que Honor Gaming apporte une présence plus solide en Afrique de l'Ouest en implantant sa filiale sur le territoire sénégalais.